déjà fait une semaine que je n'ai pas pensé. Tu m'as manqué. Qui a été touché. Cible en fuite. Ruelle ouest. Ruelle ouest. Les mains derrière la tête! Les mains derrière la tête! Ça. Cible immobilisée. Vous avez les données? Affirmatif. Éliminez la cible. Non! Pitié! J'ai des informations. On a déjà ce qu'on voulait. Non, non, c'est pas dessus. Ce que moi je sais, personne ne le sait. C'est 100 000 fois plus important que ce qu'il y a sur cette clé. S'il vous plaît, ayez pitié. Vous étiez censé tuer ce type. C'était pourtant clair, il me semble. C'était clair, seulement... Seulement quoi? Vos hommes se sont dégonflés? Ou alors c'est à cause d'un seul homme? Le nouveau, comment il s'appelle? Mercy Callow? C'est un nom, ça? Que des emmerdes, des conneries. C'est quand même lui qui l'a arrêté. Ça ne dispense pas d'obéir aux ordres. On s'embourbe, John. Non seulement Stacy est morte, et en plus, on a ça. Je sais que vous avez de compte à rendre à personne, mais moi, à Washington, on m'attend au tournant. Je suis très mal barré. Mais il détient des informations, apparemment. Des informations capitales. C'est à moi d'en juger. Tu as 30 secondes, grand max, pour me convaincre de te laisser en vie. Colonel, si ces informations sont vraies et que le gars est bien celui qu'on pense, ça peut vraiment changer la donne. Si on arrive à le retrouver et à le faire changer de camp, on met fin au terrorisme pour des années. Ne pas se lancer à sa recherche, ne pas essayer, c'est pas envisageable. Colonel? Je suis d'accord. Oui, moi aussi. Kyle, est-ce que votre équipe sera prête dans 48 heures? Oui, monsieur. Très bien. Le colonel Harding dirigera cette opération. Kyle, vous l'assisterez. Quoi? Attendez. Merci, colonel. Je vous en prie.
C'est une opération secrète, pas militaire. Le colonel Harding fait partie de cette mission. C'était un agent secret, je le sais, mais les choses ont changé. Les ordres viennent d'en haut, c'est pas moi qui décide. Si Ga travaille pour moi, c'est nous qui avons eu le renseignement. Je le sais bien. Ah, tu fais de la peine. Merci. Oui, monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il s'est mis à parler, monsieur. Ils se mettent tous à parler, mais vous, vous devez obéir aux ordres. Je sais. Écoutez, vous ne faisiez pas l'unanimité ici, Kalo. C'est moi qui vous ai choisi. Bon, on a une nouvelle mission. On part demain matin. Capitaine? Cette nouvelle mission a un rapport avec les informations du prisonnier? Ça ne veut pas dire que vous aviez raison. Nous avons reçu des informations concernant une cible extrêmement importante il y a environ 24 heures. Elle aurait été capturée et serait retenue à l'intérieur d'une prison tchétchène. Mais les Tchétchènes démentent cette rumeur. Le nom de cette cible est Rudolf Martin. Je peux vous aider? Oui. Agent Black, c'est moi qui l'ai invité. Nathalie, prenez une chaise et venez par ici. Oui, monsieur. Pourquoi les Tchétchènes nient l'avoir arrêté? Parce qu'ils préfèrent le garder pour eux. Pourquoi? Durant la seconde guerre de Tchétchénie, Martin a été engagé par Chamil Bazeyev, le chef de la milice séparatiste, afin de réaliser une série d'attaques sur des civils en plein Moscou. Martin a pris l'argent, mais n'a pas tenu ses engagements. Ces attaques n'ont jamais eu lieu. Il les a escroqués, il les a humiliés, leur a volé l'argent, et au final, ils ont perdu la guerre. Beaucoup de vétérans tchétchènes le tiennent pour responsable de cet échec. Il est leur ennemi public numéro un. Notre mission consiste à infiltrer la prison, à récupérer Martin, à le garder en vie et à le ramener rapidement aux États-Unis. Des questions? Très bien, vous pouvez disposer. Excusez-moi, je vais lui dire un mot. Vous avez fait une entrée spectaculaire. À ce point-là? Vous êtes sûrement de la CIA? Non, je suis quelque chose comme ça. C'est quoi, Inside? C'est une cellule internationale de renseignement. C'est un peu la CIA du monde des affaires. Et qu'est-ce qu'elle vient faire ici? J'en ai aucune idée. À la manière dont ces soldats me regardent, je devine qu'ils n'ont pas la moindre idée de ce que je viens faire ici. Non, ils vous regardent avec insistance parce que vous êtes une jolie femme et qu'ils se morfondent dans le désert depuis des mois. Vous êtes ici parce que j'ai exigé votre présence. Vous connaissez Rudolf Martin? Personne ne connaît Rudolf Martin. Dans ce cas, pourquoi l'Allemagne, l'Angleterre, Israël, l'Espagne et les Nations Unies prennent-elles conseil auprès de vous pour informer leur division antiterroriste concernant Martin? Comment se fait-il que vous soyez au courant? Toutes ces médailles, c'est pas pour faire joli. Oui, j'ai étudié le cas Martin, mais quiconque affirme connaître vraiment cet homme est un menteur. Chaque annonce concernant ce type est immédiatement suivie d'un démenti. Ce que je veux, c'est votre avis d'experte. Qu'est-ce que les Tchétchènes vont faire de Martin? Il y a bien longtemps que mon pays ne sollicite plus du tout mon conseil, colonel Harding. Votre dossier est vierge ici? Vraiment? Pour moi, il l'est. Bon. Je pense que les Tchétchènes vont certainement le soumettre à un procès. Un procès public, à mon avis, et ils l'exécuteront probablement dans l'heure qui suivra. C'est ce que je pense. Mais il est trop précieux pour être tué. C'est pour cela que vous êtes ici. Nathalie, votre père était mon meilleur ami et le meilleur soldat auprès duquel j'ai eu le plaisir de servir. Je ne vois pas le rapport. C'est important pour moi. Vous avez une position exceptionnelle. Vous connaissez l'ennemi.
vous avez mon amitié et toute ma confiance également. Quelle sera ma mission ? Une fois que nous aurons ramené ce salopard ici, vous vérifierez son identité et vous mènerez l'interrogatoire. Vous le ferez parler. En attendant, formez et renseignez notre équipe. Assurez-vous qu'ils sachent qui ils vont chercher. Qu'est-ce que c'est ? Il est bon de savoir à qui on s'adresse. Rudolph Martin est le premier sur la liste des hommes les plus recherchés par le FBI et Interpol depuis une décennie. Il n'a pas de certificat de naissance, pas de passeport et, de ce fait, il n'a de résidence officielle dans aucun pays. Rudolph Martin est comme un marionnettiste. Il met des personnes en contact, il effectue les déplacements de fonds et il fournit les renseignements sur les cibles. Il n'est pas le visage du terrorisme. Il en est le cerveau. La prison est située dans le Caucase, au pied d'une montagne. C'est un bâtiment hautement sécurisé et totalement isolé. Elle a été surnommée Inferno. La prison n'a pas été construite en hauteur, mais tout en sous-sol sur 8 niveaux. Vous ne trouverez ni écriteaux ni indications. Et il n'y a pas de cour. Les personnes qui y entrent n'en ressortent jamais. Votre point d'entrée sera la chaufferie de la prison. À partir de là, vous aurez accès à l'escalier nord, qui mène directement aux cellules d'isolement. Vous devrez entrer et ressortir en 3 heures. Les 4 premiers niveaux sont des bureaux et des vestiaires réservés à l'administration. En dessous, il y a 3 niveaux de détenus plus ou moins ordinaires. Il y a environ 60 à 70 prisonniers dans cette zone. Et enfin, le 8e sous-sol est celui des cellules d'isolement. C'est là que Martin doit être incarcéré, mais personne ne peut en avoir la certitude. Merci, Kalo. Ceci est la seule photo connue à ce jour sur laquelle on peut voir Martin. Elle a été prise en Afrique du Sud il y a 5 ans, mais n'a pas pu être authentifiée. Il est extrêmement intelligent et particulièrement paranoïaque. Il diffuse de fausses informations concernant sa position. Il utilise des doublures et brouille les pistes en permanence. Sur cette photo, ce n'est peut-être même pas lui. Vous serez donc les premiers à pouvoir nous renseigner à ce sujet. Les gardiens d'Inferno, une bonne quarantaine, craignent énormément le directeur Ivan Rudovsky. Né et élevé à Londres, mais d'origine tchétchène, c'est un ancien des forces spéciales britanniques poursuivi pour le meurtre d'un prisonnier de guerre. Avant d'être condamné, il a pris l'avion pour la Tchétchénie. Et maintenant, il supervise toutes les opérations au sein d'Inferno. Une fois que vous aurez sécurisé la cible, sachez que le point d'extraction ne sera plus qu'à 500 mètres. Écoutez bien. L'entrée se fera en douceur, mais vous allez devoir vous battre pour sortir. L'évasion de Martin est un vrai défi. Personne n'a jamais pu s'évader d'Inferno. Et vous pouvez être certain qu'ils feront tout ce qui est en leur pouvoir, tout pour vous empêcher de leur voler leur plus célèbre détenu. Tout dépendra de vous, messieurs. Pas de plan B, pas de plan de secours. Vous ne verrez pas la cavalerie débarquer pour vous prêter main forte. L'échec ou la réussite de cette mission dépendent de vous et uniquement de vous. Impressionnant. Je ne voulais pas vous déranger. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Avant de vous rencontrer, je n'avais jamais entendu le prénom Mercy. Quand on est petit, c'est pas facile à porter, mais après ça, on s'y habitue. Intéressant. Vos parents devaient être des gens passionnants. Je les ai très peu connus. J'ai lu qu'ils avaient été tués, je suis désolée. C'était il y a un bon bout de temps. C'est une incroyable coïncidence, non ? Comment ça ? Le russe que vous avez arrêté avait des liens avec le front de défense de l'unité nationale. Mais je suis persuadée que vous le saviez avant même que la mission ne commence, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? C'est pour ça que vous n'avez pas tué, vous aviez besoin d'informations. Je suis pas autorisé à discuter des détails de mes missions avec vous. Comment est-ce que ça s'est fait exactement ? Est-ce qu'il vous a dit tout de suite ce que vous vouliez savoir ? Ou est-ce que vous avez été obligé de le travailler un peu ? Je n'ai plus rien à vous dire. Avec tout le respect que je vous dois, colonel, c'est une civile qui n'a aucun droit de regard sur les informations confidentielles. Ce sergent a reçu plusieurs décorations. Pourtant, il a été cité dans votre rapport pour avoir désobéi aux ordres. D'après le dossier du sergent Kalo, ses deux parents ont été tués lorsqu'il avait 13 ans.
Ils ont péri ainsi que 300 autres personnes dans un avion de Sierra Air qui a explosé au-dessus de l'Atlantique. Le groupe qui a revendiqué cet attentat est justement le Front de Défense de l'Unité Nationale, le groupe auquel votre prisonnier russe appartient et avec lequel Rudolf Martin a travaillé à plusieurs reprises par le passé. Vous en déduisez que le sergent Callot est à la recherche de Rudolf Martin ? Il est probable que le sergent Callot tente de retrouver toutes les personnes responsables de la mort de ses parents. La mission de vos hommes consiste à ramener Martin ici en vie. Et vous insinuez que le sergent Callot est incapable d'obéir aux ordres ? Je n'insinue rien, c'est lui. Écoutez, j'imagine très bien comment on se sent quand on se retrouve face à la personne qui nous a privés de ce qu'on aime. Moi, je ne sais pas exactement comment je me comporterais, mais si j'avais une arme sous la main à ce moment-là, je pense que la décision serait vite prise. Ok, bon, ça suffit. Ça suffit. Capitaine Wilkes, agent Black, préparez votre équipe. Bien, monsieur. À vos ordres. Je vous ai remis ces dossiers pour vous familiariser avec l'équipe, pas pour faire leur psychanalyse. Cet homme est prisonnier de son passé, et la solution à ses problèmes est à portée de main. Je suis désolée, mais si vous voulez mon avis, il ne doit pas faire partie de cette équipe. Oui. Ça a été confirmé? Très bien, préparez vos hommes. Changement de programme. On a reçu des renseignements. Une division armée a quitté une base militaire située à la sortie de Grozny il y a une heure et demie. Non seulement ils s'apprêtent à envahir la Géorgie, mais ils se dirigent aussi tout droit vers Inferno. Ils veulent sûrement le déplacer. Ou alors ils ont découvert qu'il y avait des gens comme nous qui avaient l'intention de récupérer Martin. Et ils prennent leurs précautions. Dans tous les cas, vous ne pourrez pas affronter une armée. Ça chamboule notre programme, bien évidemment. Le convoi devrait arriver dans un peu moins de deux heures. Notre opération ne doit pas durer plus de 90 minutes. Il faut compter 15 minutes de trajet à l'aller et au retour. Il reste donc 60 minutes pour entrer, trouver Martin et sortir. Parfait. Ne perdons pas plus de temps. Ils ont passé les grilles. Que fait le sergent Callot ? Il pose un amplificateur de signal pour tout à l'heure. C'est indispensable pour garder les signaux radio et vidéo en sous-sol. Il les a vus. Ils sont entrés.
quelque chose ne va pas. Fais-la sauter! Faites-la sauter! Faites-la sauter! La clé fonctionne pas, alors faites exploser la porte. Principal. Bon, qu'est-ce qui se passe là-bas? J'ai entendu un bruit. Callow, retournez à votre poste immédiatement. Capitaine? Callow, répétez. On y est presque. Tenez-vous prêt. Qu'est-ce que Callow vient de dire? J'ai pas compris. Callow, répétez. Parfait. Jetez à l'œil, espèce de branleur. Je sais que tu fais entrer de l'herbe dans la prison, mais on te surveille. À toi maintenant. Montre ce que t'as dans le ventre. Je t'offre la liberté, imbécile, et c'est tout ce que ça te fait. Tu vaux rien. À moi, maintenant. Brûlez le cadavre et nettoyez-moi toute cette merde. Il y a comme ça qu'on peut maintenir l'ordre entre les prisonniers, tu vois. Sauf votre respect, monsieur. Ce n'est pas maintenir l'ordre, c'est semer l'horreur. Je vous emmerde, toi et ton respect. Si t'avais fait ton boulot, j'aurais pas été obligé d'intervenir parce que j'en ai marre de te torcher le cul. Je sais que tu digères pas le fait que j'ai pris ta place. Mais un bon conseil, t'as intérêt à passer l'éponge et très vite. Sache que ça m'aurait pas dérangé de plus jamais remettre les pieds dans le pays où mon père est né. Parce que ce que tu viens de voir là, c'est de ma mère que je l'ai hérité. C'est le bon sang britannique qui coule dans mes veines. Et la prochaine fois que tu me vois dans cet état-là, je te conseille vraiment de te planquer. Maintenant, dégage. J'ai des trucs à faire. Ça va, t'es bien assis? J'y suis presque. Tenez-vous prêt! Tenez-vous prêt! Alors, ils sont où maintenant? Escalier sud-est. Tout est prêt, on n'attend plus que vos ordres. Parfait. Bon, vous attendez quoi? Que la fête commence. Go, go, go! Ah wow. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Serge,
agent. Qui a ouvert le feu? Je ne sais pas, monsieur. Les caméras sont en vision nocturne? Enlevez la vision infrarouge. À vos ordres. Revolver 5, ici Revolver 1, est-ce que vous me recevez? Revolver 5, ici Revolver 1, est-ce que vous me recevez? Abattez-moi ce type tout de suite! Il nous faut un visuel, dépêchez-vous! Il y a un problème. Théo, he's down! Alive! On ne reçoit plus rien. Je l'ai. Colonel, c'est l'heure du rapport. J'arrive. Excusez-moi, sergent. Bonjour. Oui, madame. Est-ce que vous pourriez m'autoriser à revoir les enregistrements vidéo? On ne peut pas mobiliser ces moniteurs. C'est important. Chef Grudowski, nous confirmons 5 morts. Je me fous de savoir combien vous en avez tué. Ce qui m'intéresse, c'est l'autre, celui qui est toujours en vie. J'ai envoyé des hommes vérifier les portes d'accès, mais il y en a des dizaines. Il y a à peine assez d'espace pour respirer ici, alors pour bouger, il est forcément coincé quelque part. Chef, regardez! Toujours à côté de la plaque, comme d'habitude, Alexis. Mettez toutes les caméras du niveau 2 sur ces moniteurs. À tous les gardiens du niveau 2, sécurisez vos positions. Hey, Wesley. Retrouvez-moi serein tout de suite. Revolver 1, ici Revolver 5, est-ce que vous me recevez? Revolver 1, ici Revolver 5, est-ce que vous me recevez? Répondez! Tout est enregistré sur ce serveur de sauvegarde. Ça prend quelques secondes à synchroniser. Vous me recevez? C'est quoi ça? Ça transmet la fréquence de l'équipe. Vous avez entendu? Quoi, madame? Je crois que j'ai entendu quelque chose. Désolé, madame, j'ai rien entendu. Arrêtez de m'appeler madame. Est-ce que vous pouvez me faire réécouter ça? Non, là, c'est pas enregistré.
Ici Revolver 5, est-ce que vous me recevez? On m'informe qu'on peut avoir une équipe sur place prête à intervenir dans moins de 4 heures. Sauf votre respect, Monsieur le Président, je ne suis pas persuadé que ça puisse servir à quoi que ce soit. Les dernières données satellites confirment que les Tchétchènes ont envoyé une division blindée qui arrive par le nord. Elle sera à Inferno dans approximativement 90 minutes. Une deuxième équipe ne serait pas seulement confrontée aux gardiens, mais à une armée entière. Merci, colonel. Ils ne sont pas tous morts. T'as une arme? Je vais enlever ma main si tu fais le moindre bruit ou le moindre geste. T'es mort, t'as compris? Et je veux pas mourir. Il y aura aucune résistance de ma part, c'est promis. C'est bon à savoir. Je sais pourquoi vous êtes là. Ah bon? Je suis là pourquoi? Ne me tuez pas, je vous conduirai jusqu'à sa cellule. La cellule de qui? Rudolf Martin. C'est ça qui vous fait dire que Kahlo est encore en vie? Principalement ça, oui. Et puis tout à l'heure, j'ai eu comme l'impression qu'une personne essayait de nous contacter sur la fréquence privée de l'équipe. Et qu'est-ce que cette personne a dit? Je n'ai pas pu entendre, mais je suis convaincue qu'il y avait quelqu'un au bout. C'est un de mes hommes. S'il est en vie, on va le récupérer. Kyle, attendez une seconde. Personne ne va récupérer personne, c'est clair? Même si cette hypothèse est avérée, nous n'avons pas assez de preuves pour prévoir une intervention. Je suis désolé. Qu'est-ce que vous faites? Vous l'avez entendu. Il veut des preuves. Je sais que c'est un mec important. C'est un terroriste, c'est ça? Avec les Américains, c'est toujours des histoires de terroristes. Ça doit vous manquer, la guerre froide, avouez-le. Pourquoi tu dis ça? À l'époque, au moins, on avait des uniformes. Vous me faites pas confiance? Ne le prends pas mal, désolé. Vous avez eu de la chance, beaucoup de chance, de tomber sur moi. Je peux vous montrer le chemin. Comment dire, pas le chemin normal, mais l'autre, le chemin que personne ne prend. J'ai compris. Ensuite, vous m'emmènerez en Amérique, d'accord? Quoi? C'est le contrat. On n'a pas de contrat. Si je vous aide, il faut m'aider. C'est normal. Non, c'est pas normal. Alors débrouillez-vous pour le trouver. Ça va être facile. Tout seul, avec tous les gardiens de la prison et tous les méchants prisonniers qui sont là à vos trousses. Est-ce que t'es vraiment sûr de savoir où il est? Je lui amène ses médicaments tous les matins. Quels médicaments?
C'est des seringues et de l'insuline pour le diabète. Il est malade. Il est diabétique. Ouais. Écoute, si t'es pas réglo avec moi... Je comprends pas. Réglo? Si tu m'emmènes autre part que dans la cellule de Martine... J'ai compris. Alors on a un contrat. Allons-y. Lève. Oui, chef. Viens par là. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est l'escalier nord, entre les niveaux 2 et 3. Je vais la faire réparer immédiatement. Elle est pas cassée. Il a pas l'intention de sortir. C'est bon, par ici. Il n'y a pas de vidéo. C'est encore loin? Non, plus très loin. C'est juste là. Au bout et sur la droite. Il y a une porte. Et après, il y a une autre porte. Eh, je croyais que l'isolement, c'était au 8e sous-sol. Je sais pas d'où tu sors ça. Je sais juste qu'il est ici. La clé. C'est pas grave. Celle-là, elle ouvre toutes les portes. Elle est mieux que toutes les cartes de crédit du monde. Un pas de plus. Qui vient de dire ça? Faut mieux faire vite. Alexis, tu m'entends? J'écoute, chef. Quels sont les ordres? Changement de programme. Thank you.
te file ma voiture si tu lui réponds. Je peux vous parler, colonel ? Qu'y a-t-il ? Vous avez bien dit que vous vouliez des preuves. Voilà, on y est. Ce sont les quelques minutes qui précèdent l'attaque. Alors. Là. C'est la carte qui leur a permis d'accéder à l'intérieur de la prison et de franchir les trois premières portes. Et tout à coup, elle ne fonctionne plus. Ensuite. Là. Des projecteurs s'allument. Les hommes sont aveuglés. Les gardiens arrivent et ouvrent le feu. Ils savaient que vos hommes viendraient. Ils les ont laissés entrer. Ils savaient exactement quel chemin ils allaient emprunter. Et ils ont attendu que toute l'équipe soit dans la cage d'escalier pour commencer à attaquer. Colonel, il y a forcément une taupe parmi nous. Est-ce que je vous ai demandé de faire ça ? Non, vous aviez dit que vous vouliez... Est-ce que vous l'avez montré à quelqu'un ? Non. Vous n'avez dit à personne ce que vous venez de me dire ? Non. Ne dites rien. Ton père était un grand héros ici en Tchétchénie, Alexis. Quelle déception ça doit être d'avoir un fils comme toi. Vous devriez alerter les forces de police de la région. L'Américain est en train de s'évader. Non, il ne s'évadera pas. Oui ? Sacha. Emmène deux de tes meilleurs hommes à l'isolement. Ramenez-moi le prisonnier, je le veux dans mes quartiers. Oui, chef. T'es encore là, toi ? J'en sais rien. Merde, pas de raison. Il est pas bon, hein. Le Pentagone peut dépenser $500 pour un marteau, mais pour ce qui est du café, le contribuable peut être assuré, il fait de belles économies. Écoutez, on est parti sur de mauvaises bases. D'habitude, je ne suis pas aussi désagréable. À quel point êtes-vous désagréable d'habitude ? Bien vu. Oui. Vous m'avez impressionné tout à l'heure, et même convaincu. Merci. Vous connaissez bien le colonel ? Plutôt bien, oui, je dois dire. Il a fait son service avec mon père. Hein. Mais on ne s'était pas parlé depuis des années. Vous connaissiez son fils ? Oui. Oui, bien sûr. Vous connaissez Robert ? Non, enfin, j'ai entendu parler de sa mort. Quoi ? Excusez-moi, je pensais que vous étiez au courant. Et comment est-ce ? Il s'est suicidé. Agent spécial Black, le colonel voudrait vous voir. Excusez-moi.
Nathalie Meyers ? Ici le sergent Mercy Callow. Je suis désolée, je ne vous entends pas. Ici le sergent Mercy Callow. Je suis désolée. Est-ce que vous pourriez répéter ? Je n'ai pas entendu. Mercy Callow. C'est une blague ? Non. Vous me posez des questions insultantes sur la mort de mes parents et vous pensez que je ne sais pas obéir aux ordres. Vous me croyez maintenant ? Oh, j'en étais sûre, je savais que vous étiez en vie. Je suis au niveau de l'isolement, sur le point d'intercepter Martine. Chef Rudovsky ! Chef Rudovsky ! Il y a un problème. Quel problème ? Code rouge ! Le prisonnier s'est échappé ! Ça, moi. T'as perdu quelque chose ? Problème. Mercy, ne raccrochez pas. Restez en ligne. Code rouge. Le prisonnier s'est échappé. Répétez ça. Le sergent Callow, au téléphone. Allô, Mercy ? Mercy, vous êtes là ? Alors ? Ça a coupé. Ah!
Là, on fait moins le malin. Pas si mal. Martine ! Tourne-toi et mets les mains en l'air. Qu'est-ce qu'il a dit, exactement ? Qu'il était au niveau de l'isolement, et qu'il tentait de retrouver Martine. C'est tout ce qu'il a dit ? Oui. Non. Il a dit qu'il avait un problème. Sans blague. Mais lequel, au juste ? Il n'a pas dit ce que c'était. Monsieur, nous avons tracé l'appel, il provient bien de l'intérieur de la prison. Ah, merci, sergent. Pourquoi c'est vous qui l'a contacté ? Je lui ai donné ma carte avant qu'il s'en aille. Je suppose que c'est le seul numéro qu'il avait sur lui. Et vous êtes sûr que c'est bien lui qui parlait ? Oui, absolument sûr. Il tente visiblement d'aller au bout de sa mission. On ne peut pas le laisser faire ça tout seul. Eh bien, je suis désavantagé. Tu connais mon nom. Et toi, t'es qui exactement ? Bon, d'accord. Tout laisse à penser que tu es américain. Les Marines ? La CIA ? Visiblement, non. Il y a des menottes par terre, près du gardien. Tu vas les ramasser et les mettre autour de tes poignets. Ça explique pourquoi il venait me chercher. Il voulait t'empêcher de me trouver. Qu'est-ce qui se passe dans le monde ? Je t'ai dit de mettre les menottes autour de tes poignets. Et si je te dis non ? Waouh ! T'as tiré par terre et j'avoue que c'est très impressionnant. D'après moi, voilà ce qui va se passer. Le gros parterre a déjà donné l'alarme, ce qui veut dire que des dizaines de gardiens vont débarquer. Toi, tu me veux en vie, alors tu vas pas tirer. Et si eux voulaient me tuer, ils l'auraient fait depuis longtemps. Alors... je dirais que t'es mal barré. Joli le coup de pied, très joli. Bien joué. Ça t'a plu ? Ouais, ouais, c'était super. Alors tu vas adorer ça. Ne bouge pas. J'avais dit qu'ils arrivaient. Ferme-la, ça vaut mieux. Passez, passez ! C'est le bordel ! Pourquoi tu leur montres pas tes coups de pied ? Je vais t'aider à sortir d'ici. Combien de gardes j'ai tués ? Tu veux que j'en tue combien d'autres ? Tu peux épargner des vies. Il y a un passage secret. Mettez le haut-parleur.
s'il vous plaît. Sergent Callot ? C'est Nathalie Meyers. Vous nous entendez ? C'est vous ? Oui, c'est moi. Merci. Ici Kyle, vous allez bien ? Ça va. J'ai peut-être un moyen de sortir de la prison sans trop de difficultés. Sergent Callot, ici le colonel Harding. Avez-vous le prisonnier ? Oui, monsieur. Mais il m'a fait comprendre qu'il ne me suivrait pas de son plein gré. Pouvez-vous le neutraliser ? Oui, ça je pourrais, mais s'il faut que je remonte à la surface avec un gars de 90 kilos sur le dos, je donne pas cher de ma peau. Je peux. Restez en ligne, sergent. Oui, monsieur. On doit faire croire à Martine que nous sommes sa seule chance de survie. Comment on va s'y prendre ? Oui. Nathalie, il s'agit d'un terroriste, un vrai de vrai. Il ne croira jamais à ces conneries d'accords d'immunité que vous allez lui proposer. Ce n'est pas ce à quoi je pensais. Vous permettez ? Sergent Callot, est-ce que Martine sait vraiment où il se trouve ? Il sait qu'il est en prison. Non, est-ce qu'il sait qu'il est en Tchétchénie ? J'en sais rien. Il a entendu des gars qui parlaient le russe. Donc il pense sûrement qu'il est en Russie. Il a des amis là-bas qui se souviennent qu'il les a aidés pendant la guerre. Il espère sûrement pouvoir discuter avec un chef local. Merci. Faites-lui comprendre qu'il est en Tchétchénie. Il saura alors qu'il va mourir et que ce n'est plus qu'une question de temps. Très bien. Est-ce que le plan est toujours en place ? Oui. Vous avez 40 minutes. Les forces armées tchétchènes seront sur place dans 55 minutes. Je sais que c'est court. J'y serai, monsieur. Comment peut-on vous contacter ? J'ai trouvé un téléphone portable. J'ai pas de réseau, mais je vous enverrai le numéro dès que je pourrai. Merci. C'est notre seul moyen de vous faire sortir de là. Si on dépasse ce temps... Vous serez seul. Vous comprenez ? Oui, monsieur. Bonne chance, mon garçon. Mademoiselle Meyers ? Oui. Merci d'avoir décroché. C'est normal. Hey ! Hey, hey, hey ! Si le chef Rudovsky découvre que je t'ai aidé à t'échapper, non seulement il me tuera, mais il tuera aussi toute ma famille. Ouais, je comprends. Tu sais quoi ? Je t'ai tapé, tu m'as bien cogné. Je pense que là, on peut passer aux présentations. C'est quoi, ça ? Quand on t'a amené ici, tu devais avoir les yeux bandés. Ou t'étais pas conscient. Qu'est-ce que ça peut te faire ? Réponds-moi. Regarde encore ces cartes. T'es en Tchétchénie. Et comme si cette prison ne suffisait pas, les Tchétchènes nous envoient des forces au sol. On a 40 minutes pour te faire sortir. Donc soit tu coopères et tu me suis, soit je te laisse ici et tu te démerdes avec eux. C'est toi qui vois. Détache-moi. Montre-toi. Montre-toi. Où que tu sois. Chef, on l'a trouvé! Kyle, c'est lui. Il écrit « On se dirige vers les cellules ». Ça veut dire qu'il a Martine ? Je sais pas, c'est tout ce qu'il écrit. Très bien. Vous permettez ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous faites ? Je vais prendre son numéro et le tracer à partir du GPS. Comment vous faites ça ? Vous êtes sérieuse ? Outil d'espionnage de la CIA. Je peux lire ses messages, ses emails et même écouter sa musique si j'ai envie. Merci. J'arrive jamais à joindre qui que ce soit de chez moi, mais au cinquième sous-sol d'une prison en Tchétchénie, aucun souci. Je suis pas un terroriste, tu sais. T'essayes de te rassurer, c'est ça ? Et toi, tu crois vraiment que les États-Unis sont les gentils ? Par rapport à toi, on est des anges. Ah ouais ? T'oublies ce que vous avez fait aux Indiens et aux esclaves africains ? Et est-ce que t'as pensé aux femmes des gardiens que tu viens de tuer ? Tu crois qu'aux yeux de ces femmes, t'es un ange ? Tu peux parler moins fort ? Bien sûr.
il paraît que tu sais même pas où on va. Si, je sais exactement où je vais. Ah bah on dirait pas. À ton avis, pourquoi le terrorisme existe? Tu crois qu'Al-Qaïda aime dormir dans des grottes et vivre dans la peur? Ils vivent dans la peur? Ouais, évidemment. Et le Front de Défense de l'Unité Nationale, ils vivent dans la peur aussi? Ouais, naturellement. Non. Ils se cachent comme des cafards. Parce qu'ils placent des bombes sur des gamins. Et ils les envoient dans des restaurants, des stades de football. Ou des avions. Ils vivent pas dans la peur. Parce qu'il faut être humain pour avoir peur. Ces gens-là sont mauvais. Tout comme toi. Et c'est à moi que tu demandes de parler moins fort. On se réveille! Debout! Si t'es là, il y a une raison. Tu vas tout m'expliquer. Pourquoi t'es le seul gardien qui l'a laissé en vie? Exactement, quels sont leurs plans? Leurs plans? Parce qu'ils font équipe maintenant. Ils vont forcément chercher la sortie la plus accessible, sans danger. La voilà. La sortie au niveau 7. Elle mène tout droit hors de la prison. C'est ici. C'est la sortie de secours. Tiens! Ils auraient pu être libres comme l'air. Mais j'ai demandé aux gardes de bloquer toutes les issues. Ne m'en veux pas, je crois que j'ai oublié de te le dire. Lev! Fais basculer les moniteurs sur les canaux du niveau 7. La porte a été soudée. Et les gars comme toi n'ont même pas de C4 ou un truc dans le genre pour la faire péter. J'ai une grenade. Je peux la faire exploser, mais il faut savoir que les murs et le plafond vont sauter aussi. Salut les amis. Faut pas rester là. Tu peux me dire comment ils ont trouvé cette sortie? Ils ont plein d'informations, grâce au satellite. C'est ça ta version des faits? Coupe le verrouillage électronique au niveau des cellules principales. Oui, chef. Dépêche-toi. Qu'est-ce qui se passe? La carte fonctionne pas. Comment ça, elle fonctionne pas? Tu sais pas t'en servir? La piste fonctionne pas. Fais le code, je sais pas, bouge, tape dedans. Chef Rudowski! On a des renforts qui arrivent dans moins d'une heure. Je ne vois pas comment on pourrait s'en sortir avec la poignée de garde qu'il nous reste. Même avec le double, on n'y arriverait pas. Qui a dit que j'avais l'intention d'envoyer les gardes? Maintenant, pose ton cul sur cette chaise et fais-toi oublier, ça vaut mieux. À l'attention de tout le personnel d'Inferno. Tout le monde devant l'entrée principale au niveau 1, immédiatement. Pas bon. Message à tous les prisonniers. Ici le chef Rudowski. Nous avons deux intrus dans notre prison. Celui qui me ramènera ces deux hommes morts ou vifs sera immédiatement gracié. Et merde. Déverrouillez toutes les cellules. Toutes les cellules? J'ai dit toutes les cellules. Thank you.
Wedowski, vous êtes cinglé. On pourra plus jamais reprendre le contrôle de la prison. Plus jamais. C'est possible. Mais ça ne te regarde pas, compris? Garde! Qu'est-ce que ça veut dire? Faites-moi sortir cette merde! Wedowski, qu'est-ce que vous faites? Allez, emmenez-le, vite! Qu'est-ce que vous faites? Et qu'est-ce que vous faites? Wedowski! 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 Personnellement, j'ai rien contre le kung-fu, mais je pense qu'une bonne mitraillette aurait été plus utile. Après, je peux pas. J'ai vérifié toutes les armes, elles étaient toutes vides! Tu veux dire que t'as vérifié une centaine d'armes et que t'as pas trouvé la moindre balle? Ça suffit, on a 30 minutes pour sortir d'ici! Y'a pas des moments où tu te dis que t'aurais préféré être dentiste? Si tu veux qu'on y arrive, il faut que tu me fasses confiance. D'accord. Je signe un pacte avec le diable. Nous sommes notre propre diable et faisons de ce monde un enfer. T'as trouvé ça tout seul? Non, c'est Oscar Wilde. Super. Bon, alors. Il nous reste 4 balles, on a 30 minutes pour arriver à la sortie, et la prison tout entière cherche à nous tuer. T'es prêt? Ouais, je me sens d'attaque. Je pète la fin. Allons-y. Lâchez-moi! Laissez-moi tranquille! Ouvrez cette grille! Ouvrez cette grille! Le voilà! Ils sont passés? Oui, monsieur. Vous avez un visuel? Oui, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? On part les récupérer. La radio est coupée, c'est ça? Oui, monsieur. Elle est en mode silencieux? Entrez. Colonel, je suis vraiment désolée de vous déranger. Que puis-je pour vous? Eh bien, j'ai entendu dire que vos hommes partaient récupérer Martin et Mercy. C'est exact. On a eu le feu vert il y a quelques minutes. Je travaille encore sur le plan d'action. Comment vous faites d'habitude? Qui décide de l'emplacement et qui donne l'ordre? Pourquoi vous me demandez ça? Monsieur, je suis convaincue qu'il y a un informateur parmi nous qui est au courant de tous nos plans. Nathalie... Si c'est le cas, tous les plans de l'extraction pourraient également tomber entre les mains de l'ennemi. La décision de l'emplacement me revient et je suis censé donner ces informations en personne à notre équipe ainsi qu'au sergent Callot une fois que l'équipe d'extraction sera en route. Je veillerai également personnellement à ce que tous les portables soient confisqués exactement 10 minutes avant le départ de nos hommes. Et nous couperons simultanément tous les accès à Internet dans la base. Vous êtes satisfaite? Oui, monsieur. Merci. Colonel, je suis désolée pour Robbie. Je n'étais pas au courant. Si vous le voulez bien, j'aimerais que vous prépariez la salle d'interrogatoire pour notre invité. Bien sûr.
Ah, ça sent pas bon. Et voilà. Ça sent vraiment pas bon. Celui-là est pour moi. Économise les balles. T'en es sûr? Non. D'accord. Là, ça va chauffer. Fini? Ouais, j'ai fini. Ils sont par là! Venez! Et merde. Tu peux utiliser les balles maintenant! Dépêche-toi! On tient la porte, tiens bon! Ça va pas tenir longtemps. Viens par là. On va où maintenant? Vers le bloc des criminels? Ah, génial, super. Ordre à l'équipe d'extraction, préparez-vous pour le décollage. Levier de contrôle paré au décollage. Revolver 5, revolver 16. Nous sommes en route pour l'extraction. On sera bientôt dehors. Je savais qu'on allait les retrouver. Ah, salut. Salut les gars. Danny, Franck. Ça va? On n'est pas obligé de se battre. Si, si, on est obligé. D'accord. Deux à la fois, pas plus. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Ça va? Alors, qui veut commencer? Rudovsky nous a demandé de vous ramener. Mort ou vif. Choisissez. Il y en a qui choisissent de mourir. C'est Kong, le roi des prisonniers. Non, je pense pas. Attends. T'as peur de moi? Quoi? Tu m'entends pas bien de là-haut? Je t'ai demandé si t'avais peur de moi. Quand j'étais petit, un gang a débarqué à la maison. Ils ont abattu mon père, violé ma mère et mes sœurs. Et ils m'ont torturé. Ils ont cru qu'on était tous morts. J'étais le seul survivant. Quand la police m'a trouvé, ils ont dit que les gangsters allaient sûrement revenir me tuer. Parce que j'étais un témoin. J'avais 10 ans. 10 ans et j'ai pas eu peur. C'est pas pour avoir peur de toi maintenant. Ton histoire est bouleversante. Laisse-moi juste une minute, il faut que je lui parle. Toi et moi. Dis à tes potes de reculer. Si tu gagnes, tu pourras me tuer. Et garder l'autre vivant. Comme tu voudras. Super. Je peux te parler deux secondes. Je peux te parler juste deux secondes. Vas-y, mon gars. Je crois que tu réalises pas ce que t'es en train de faire. Toi, tu gardes un œil sur l'autre. C'est un fou furieux, ce type. T'as vu à quoi il ressemble? Il te reste 4 balles en tout. Quoi qu'il arrive, tu dois te pointer au point d'extraction. Allez, j'ai confiance. Allez, vas-y. Monsieur, les satellites confirment que l'armée tchétchène devrait arriver à Inferno dans environ 30 minutes. Bien. C'est plus tôt que prévu. Ça devrait pas durer très longtemps.
Vous vous foutez de ma gueule. D'accord. Qu'est-ce que vous diriez si au lieu d'un homme gracié, on sortait tous de là? Quoi? De quoi tu parles? J'ai la clé. La clé de la porte principale. La voilà. Robert était malade. Depuis son retour d'Afghanistan, il se plaignait de douleurs à la tête et de nausées. Et puis il faisait des cauchemars toutes les nuits. Je lui ai dit que c'était le stress. Le fait d'être allé au front. Je lui ai dit que moi aussi j'étais passé par là. Et qu'il allait s'en remettre. Mais ça a continué. J'ai fini par l'emmener faire des examens. Les médecins militaires ont été formels. Il était en bonne santé. Ils ont dit qu'il avait juste besoin de repos. Je les ai pris au sérieux. Mais pas Robert. Il faisait n'importe quoi. Il s'énervait pour un rien. Je lui ai fait comprendre qu'il devait cesser de se comporter comme ça. Et qu'il devait grandir un peu. Son corps a été retrouvé 2 semaines plus tard. Je suis vraiment désolée. Ouais. Le pire dans tout ça, ce n'est pas de perdre un enfant, Nathalie. C'est que quelqu'un ait pu me convaincre d'arrêter de le soutenir. L'extraction se trouve à environ 2 km au nord. Derrière cette forêt, dans un village incendié. On a 10 minutes pour y arriver. Thank you.
On dirait que ton nouvel ami s'est volatilisé. Je vais te dire un truc. Les terroristes, ils sont beaucoup moins fidèles qu'autrefois. T'as cru que tu pouvais t'attaquer à ma prison de haute sécurité? Eh ben non. T'as oublié un truc important, mon gars. C'est pour le vol 19 de Sierra Air. Ton tatouage. C'est le numéro du vol. T'as aussi parlé du front de défense de l'unité nationale et de bombes dans les avions. C'est la seule compagnie qui a été victime du groupe. T'as perdu qui? Mes parents. Toutes mes condoléances. Bon. Il vaut mieux que tu prennes ça. Je veux pas qu'il me tire dessus. Allez. Un Desert Eagle, calibre 50. Ils sont juste en avance. Non, ils sont pas en avance. Ils sont même pas censés être là. T'écris à qui? Il nous faut un autre chemin. Ça va aller, tu m'entends? Tout va bien se passer. Pas Rudolf. Quoi? Ni Martin.
Nous essayons toujours de recueillir le maximum d'informations possibles. À ce stade, il semble que l'homme que nous détenons ne soit pas Rudolf Martin. Il s'agit d'une personne employée pour être sa doublure. Vous avez perdu quelque chose ? Oui. Merci. Approchez. C'est un Gobrecht de 1836. Ça vaut quelques milliers de dollars. Ouais, vous connaissez bien les pièces. Je les collectionnais quand j'étais petite. Et vous ? Moi, non. Mais mon père s'y connaissait. Elle lui appartenait. Alors ? Comment vous vous sentez ? Je me sens un peu nul. Il faut dire ce qui est. Mais je m'en remettrai. Comment va... Je sais même pas comment vous l'appelez. Oh, on l'appelle la doublure de Martin. Il est en vie. Juste en vie. Il est dans un état critique. Non, c'est pas tellement important. Mais si, c'est extrêmement important. Écoutez-moi, c'est quelqu'un qui pourrait devenir avec le temps un atout essentiel. Oui, vous l'avez dit vous-même, cet homme connaît Martin. Il connaît son travail, il doit savoir où il se cache, qui sont ses contacts, ses cibles potentielles, et j'en passe, la liste est très longue. On ne pourra pas en être sûr avant de lui avoir parlé directement, mais croyez-moi, sa capture est déjà une chance inouïe. Je ne voudrais pas vous faire perdre trop de temps, mais je tenais... à vous dire combien je regrette. Je regrette de m'être trompée à votre sujet. Et ce que vous venez d'accomplir est de l'ordre du miracle. J'aurais pas pu le faire sans vous. Vous m'avez sauvé la vie. Bon rétablissement. Merci, que s'est-il passé exactement sur le site d'extraction ? Vous avez une minute ? Oui, j'allais m'arrêter à l'infirmerie avant de partir. Vous partez ? On me demande de rentrer à Washington, mais j'ai quelques minutes. Je vous écoute. Je ne sais pas trop par où commencer. Ce matin, en regardant les images de l'intervention, j'ai compris que, de toute évidence, nous avions été piégés pendant cette opération. Excusez-moi, je ne comprends pas. Les Tchétchènes devaient savoir qu'on arrivait. Attendez, et vous avez des images ? Eh bien, des images qui ne sont pas très nettes, mais oui, je les ai. Je suis allée voir le colonel Harding avec ça, et... Et ? Il n'était pas d'accord. Il ne m'a pas cru. Quand on a découvert que Mercy était vivant et qu'on pouvait planifier l'extraction, je suis retournée lui parler. Pourquoi ? Parce que je me disais que s'il y avait réellement une taupe parmi nous, la mission serait complètement compromise. Le colonel Harding m'a assuré qu'il était le seul à avoir connaissance des détails exacts de l'opération et qu'il s'occupait lui-même de les transmettre. Or, je viens de parler à Mercy. Il dit que les Tchétchènes sont arrivés au point d'extraction exactement en même temps qu'eux. Kyle, ce n'est pas une coïncidence. Ouais. Et ça, ce sont des photos qui montrent les mouvements de troupes. Ils avançaient vraiment tout droit, vers Inferno. Et puis d'un seul coup, ils ont changé de direction. Ils sont allés rejoindre Martin et Mercy. Vous pensez que c'est Harding ? Ça semble totalement incroyable, je le sais. D'autant plus que je connais cet homme depuis que je suis née. Seulement... Je crois qu'il en veut à l'armée d'avoir posé un mauvais diagnostic pour son fils. Au point de commettre une trahison ? Oui, ça a l'air bizarre, c'est sûr. Mais il était le seul à connaître tous ces... détails. Je vais prendre son numéro
et le tracer à partir du GPS. Comment vous faites ça? Vous êtes sérieuse? Outil d'espionnage de la CIA. Je peux lire ses messages, ses emails, et même écouter sa musique si j'ai envie. Nathalie? Vous allez bien? Oui, ça va. Sergent. Alors toi, t'as vraiment foutu le bordel. T'aurais jamais dû partir et te faire capturer Victor. Je peux le voir ? Hé ! Qu'est-ce que vous faites ? Kyle ? C'est pas ce que vous croyez, sergent. On ne fait pas ce qu'on veut ici. Il faut savoir obéir aux ordres. Sortez de là, Mercy. C'est pas ce que je voulais. Ni pour vous, ni pour l'équipe. Jetez votre arme, agent Black! Une sale gueule. T'as pas vu la tienne? Lui, je l'avais déjà vu. Il travaille pour le réseau de Martin. Pourquoi il voulait te tuer? Parce que je sais comment retrouver Martin. Mon vrai nom, c'est Victor. Merci, Gallo. Merci, c'est ton nom. Ça te fait marrer? Ouais, mais... je trouve que ça te va bien. Tout est parfait, sergent. Et c'est tout? Il y a quelque chose que je dois éviter? De vous faire tirer dessus? Sergent Callow. Oui, monsieur. Repos, sergent. Vous avez une idée de ce que vous allez faire maintenant? Non, monsieur. On ne m'a encore jamais laissé le choix de mes missions, jusqu'à présent. Dans la vie, tout peut changer. On m'a demandé de former une nouvelle équipe et j'aimerais que vous en fassiez partie. Pour quel type de mission? Celle pour laquelle vous êtes doué.
C'est un métier qui n'est pas fait pour tout le monde, Mercy. Il n'était pas fait pour Nathalie, ni pour mon fils. Ils l'ont payé de leur vie et il y a un risque qu'il en soit de même pour vous. Alors, personne ne vous en voudra de nous tourner le dos. Je suis conscient des risques, monsieur. Mais je crois qu'il y a bien pire que de perdre la vie. Ah oui? Quoi donc? Vivre en sachant que j'aurais pu être utile quelque part, mais que j'ai tourné le dos. Alors, qu'est-ce qu'on attend?